avant de vouloir sortir comme ça. On va vous laisser l'otage. Attendez, j'ai encore l'otage en joue. Faites pas les fous. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour monsieur, nous cherchons de l'aide. Nous aimerions faire un braquage. Non, pas du tout, pas du tout. On aimerait, excusez-nous. J'ai déjà fait pas un braquage là, mais j'ai pas, j'ai la flemme. Je vous explique monsieur, John, laisse-moi parler. J'ai égaré le numéro d'un ami qui répond au nom de Wesley. J'ai perdu son numéro, j'aurais besoin de... Le rap là, que je suis parti à son concert et tout. Ah, il est connu à ce point? Ouais, ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est le rappeur. Mais attends, il a une véritable double vie en fait, c'est quoi ce délire? Mais non, mais il a sorti un tube là, il a sorti un tube, ça a percé de fou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même dingue. Vas-y, vas-y, je vous emmène si vous voulez. J'aurais besoin de son numéro avant tout. Moi j'ai pas le numéro, mais je peux vous emmener trouver si vous voulez. Ok, ok, allons-y, allons-y, emmenez-nous. Montrez-nous la banque qu'on va braquer. Moi je suis pas braquer avec des gens que je connais pas, mon pote. Frédéric, il se pourrait qu'on soit bien plus performant en braquage que tu n'y. Pourquoi on se connaît? Ouais, ici c'est le commissariat ici. Wow. Parfait, attendez, je vais dire bonjour à mes amis. Non, John. Moi je pense que c'est important. Non mais sortez les gars, c'est important de vous présenter, je pense. Mais comme ça, au moins ça, vous êtes des étrangers. Frédéric, ça suffit. Nous voulons de l'argent, nous avons des compétences, nous sommes les hommes qu'il te faut. Emmène-nous et faisons ce que nous avons à faire. Bon vas-y, on va aller chez moi, on va aller vous équiper déjà, vous êtes pas équipé, ça se voit, vous savez oui, pas on bosser. Frédéric, on a passé l'avion, tu te doutes bien que pour prendre l'avion, on a dû se débarrasser de tout notre stuff. Vous équipez là, vous me faites pitié. Sans blague. Vous faites trop pitié là, putain. Sans blague, parle mieux, Frédéric. Trop, là, vous faites trop pitié là, putain. Ouais, gros, c'est incroyable. Il y avait le GIGN qui se préparait pour une intervention, c'est trop stylé. Attendez, venez, on va leur dire. Attendez, est-ce que. Oh, putain. Mais il a écrasé John. Non, mais John, fais un effort. Oh, eh, moi, là, votre pote John là, quoi. Toi, moi, je veux pas t'emmener faire des trucs avec moi, toi. Ça se voit, toi, tu vas nous faire cramer, toi. Non, écoute-moi, Frédéric. Écoute-moi. Je suis un très bon asset. Vas-y, moi, je prends pas de risque. On va aller vous emmener. On va aller braquer une super aide. Je vais vous dire ce que vous valez parce que vous m'avez l'air d'être super, rigolo. Super, merci, Frédéric. Non, enfin, un peu d'argent. Frédéric, je t'explique. Ce soir, on a une soirée très importante. Nos amis Wesley et compagnie vont nous inviter à leur showcase. Alors, j'aimerais qu'on soit sapé comme jamais. Mais pour ça, on a besoin d'argent. Et on n'en a pas. C'est pour ça qu'on fait appel à toi, Frédéric. Bon, vas-y, venez, les gars, venez. Par ici, vous allez pouvoir monter chez moi. Vous avez pris l'ascenseur, vous sonnez la sonnette. Je vais vous ouvrir. Allô. Eh, attention, wow. Vous ne touchez à rien. Wow. T'es le prince de la vie. Ça, tout ça, c'est rien. C'est pas ce qui est important. La richesse, ça ne fait pas l'homme. Moi, je vais vous montrer la cachette secrète. Je vais vous équiper. Je vous fais confiance. Vous parlez de moi. Vous faites quoi que ce soit, je vous tue, hein. Je rigole zéro, hein. Je suis un vrai voyou, hein. T'inquiète, d'accord. Frédéric, balance-nous ton numéro, Frédéric, s'il te plaît. Toi, là-bas, là, tout à l'heure, vraiment toi, là. Peut-être tu m'énerves quand je te vois des fois, là. Tu m'énerves trop. Calme-toi, Fred. Il a déjà cramé le teubé de l'équipe. Fred, on a déjà fait beaucoup de salles avec John et il nous a jamais déçus, malgré son comportement étrange. Ne t'en fais pas, sois rassuré. Attends, il y a mon podcast. Il est en bas, je vais l'ouvrir. Wesh les mecs, ça va ou quoi? Ça va et toi? Enchanté, je m'appelle Steve. C'est Kadir. Tu les connais Frédéric? Je les ai rencontrés tout à l'heure là, ils m'ont fait pitié là, regardez. Ils ont besoin d'argent et tout, je vais les faire gratter un peu. Viens d'où ces mecs? Vous venez d'où les gars? On vient d'Oxford, l'université, la célèbre des noms. Hey, vas-y Kadir, amène-la à la cachette secrète, on va les équiper, viens. Venez, faut passer par là là. Venez ici, non, on peut s'entraîner ici. Suivez-moi. Je suis en train de m'entraîner, attendez une seconde. Faut passer par où John? Vas-y John. Ah ouais, c'est une cachette. Waouh. C'est mon passage secret, vous parlez pas hein. On parle pas, on dira rien à personne. J'ai peur. Vas-y John, vas-y. J'ai peur Steve. Je suis là, John. Je suis là. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces produits? C'est des produits ménagers, c'est quoi tout ça? J'appelle la police. Ouais, tu fais quoi, mec? J'appelle la police. Je prends une selfie. Mec, non, John. Je rigole. Je rigole. Je vais prendre juste une petite photo. Ah, mec, on a le tout. Vas-y, remontez. Mais non, non. Excusez-nous. C'est une dinguerie. Excusez-nous. Je prends une selfie avec Steve. Range ton téléphone. Il n'y a pas de preuve, pas de trace de ce qu'il y a ici. T'as vu toutes les tubes qu'il y a, gros. Pardon. Alors, en quoi consiste votre business, messieurs? Spécialiste des braquages dans la ville. T'as vu? Genre tout ce qui est super raid, banque, bijouterie, nanani, tout ça. Les gens, ils viennent par nous. On est les plus grands gangsters de la ville. En fait, la vérité, c'est qu'on dit à tout le monde qu'on est des voyous, mais moi, je suis juste comme mon père, il est riche. Non, ta gueule, Frédéric, ferme ta gueule. Non, en fait, une fois, on a fait de la prison. Et après, on est parti dans la cantine de la prison. Bon, vous voulez vous changer pour l'opération? On est chaud. Allez, on est chaud. Votre gars, j'ai pas confiance en votre gars, là, pour qu'il fasse des
pompes, des trucs devant moi pour me convaincre, fais des pompes. Et toi t'as déjà fait un braquage toi ou t'es juste Enfin j'en ai fait en même temps. Et ces pompes là. Ouais, non mais eh, si je te fais une acrobatie, tu me pardonnes. Ouais, enfin, des on peut y aller. Ok, c'est pour toi. Voilà, allez. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Les gars, je vous mens pas, regardez. Déjà on s'étire avant le braquage, c'est la moindre des choses. Voilà. Si jamais ça tourne mal, hop hop, ma droite, ma gauche. Qu'est-ce que vous croyez les mecs, j'ai fait 10 ans de boxe. Ouh, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ouais, ouais, t'es chaud. Il sait faire quoi ton autre pote là-bas là? Il sait. Tu sais, il embrigade l'argent. Attendez, continue à les déconcentrer. Oh, sortez-moi, moi je récupère avec toi, ça y est. Ça, tu m'as saoulé. Mais c'est un ouf. Il va se faire buter, il va se faire buter. Il va se faire buter, il va se faire buter. Il va pas se tenir. Hop là, yoga, en même temps, je m'entraîne. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je te promets, j'arrête tout. Les gars, j'arrive plus à m'arrêter. Vous m'avez lancé, je suis en pleine séance. J'ai pris un billet de 1$. Est-ce qu'on a fait nos preuves ou pas, les mecs? Ouais, c'est bon. Changez votre tenue, je vous dis tout de suite. Moi, maintenant, vous m'appelez Pacino. Et mon collègue, tu veux dire comment? Pablo. Pablo, moi, c'est Al Pacino. Ok, les mecs, Pablo, Al Pacino, ça marche. Ça, c'est pour commencer déjà, c'est des premiers démarrages. Vous allez vous changer, allez vers les tenues là-bas. Et changez-vous, mettez des tenues. Quelles tenues gangster vous allez prendre? Mais de toute façon, on va s'acheter des tenues. Alors, autant juste mettre une cagoule et. Kader va vous distribuer les tenues. Vous allez voir ça c'est comme magnifique. Waouh, je suis prêt. Voilà. T'as pas envie de toi, hein. Le banditisme, ça se voit, toi, t'es un. Mets ça dans le sang, les mecs, je vais me faire un nom dans ce milieu. Bon, les gars, très important. Mettez-vous tous là contre le mur. Il faut que vous donnez tous un nom différent, sinon vous allez vous cramer pendant l'opération. Ok. Alors, qui s'appelle comment? Vous levez la main quand vous donnez votre nom de code. Je m'appelle Bravo. Lui, c'est Alpha. Et lui, c'est Charlie. Ok, très bien. Charlie, fais un pas vers moi. Ok, Bravo, fais un pas vers moi. Ok, Alpha. C'est moi. Ok, très bien, tout est carré. Vous êtes prêts pour le braquage de Superette. Le propriétaire de la Superette en question, il s'appelle Papoun. Enfin. D'accord. Papoun, ok. On l'a Papoun, déjà braqué deux fois. Ouais, ouais, on l'a braqué plein de fois. On a pris des magazines, une fois on a pris des boissons et tout. C'est très simple. C'est quoi la stratégie? C'est très simple. On va arriver devant, vous allez descendre et on va faire un truc de fou. Vous allez le braquer et vous allez demander de donner tout son argent, la caisse, ok? Ok, mais il nous faut des armes, non? Papoun, donne-moi tout ton fric. T'inquiète, pas pour ça, ouais. Et on se partage la recette. On vous passera 10% et on prend le reste avec Frédéric. Combien 10%. Écoute-moi. C'est qui prend le plus de risques dans tout ça? C'est qui a mis au point le plan? Hein? C'est qui apporte la logistique? On prend 30%. Écoute, allez, 40% et on arrête les négociations, ok? T'es si malin que ça. Okay. Mais 40%, tu nous prends pour des bêtes. John, c'est fair. John, c'est fair. Il a dit 40 et il a dit c'est dit. On accepte deal, la deal. Proposition. On a dit deal. C'est un deal. Ouais, c'est qui est plus aguerri? T'inquiète, on va se donner un peu. C'est moi, messieurs, c'est Steve. C'est moi. Donne juste à Steve. Le mec avec les mains en l'air lui donnait pas. Le mec avec les mains en l'air lui donnait pas. Ouais, lui, on lui donne pas. Viens avec moi, toi. Ok, je te suis, c'est moi. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, regarde. Je vais te montrer qui je suis. Je vais refaire un beau salto puisque. Ouais, celui qui fait le salto, lui, tu donnes. Non, lui, faut pas lui donner. Non, Kader. Merci. Lui, faut pas lui donner. Non, mais c'est moi. J'ai besoin, moi, je viens de faire le salto. Il a donné à Kader. Merci et beaucoup. Comme vous voulez, patron. De toute façon, vous êtes mon patron aujourd'hui. Eh, vous êtes négocier avec la police. Va falloir que vous preniez un otage. Kader, il va faire l'otage. Kader, fils de pute, descends. Ouais, Christian. Tu fais l'otage? Non, je suis pas l'otage, moi. Non, on peut aller choper un otage si tu veux. Y'a pas besoin d'otage. Mettez-moi en l'air, Kader. T'es l'otage, mettez-moi en l'air, mon frère. Mais y'a pas besoin d'otage, ça sera l'épicier, l'otage. M'entraîner, je rigole, on s'amuse ici. Oh. Allez. On va tous mourir, tu sais ça. C'est risqué, John, mais si on veut briller ce soir et se faire un nom dans cette ville, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, John. Tu restes ici. Je t'ai sauvé la vie. Eh, les trois, venez, les trois poteaux. Kader, reste là, mon frère, j'arrive. T'as pas de munitions dans ton pistolet, tu m'as dit? Non, j'en ai pas. Je te mets une munition dans ton sac. Une seule balle. Il faut que quand vous avez fini de vous enfuir, tu tires une balle sur Kader, le fils de pute. Sur Kader? Ça serait bien qu'il se fasse péter, ouais, ça serait bien qu'il se fasse péter. Ça revient à trahir, t'es sûr? Ouais, juste une petite balle. Et tu me donnes quoi? Je t'ai prévenu, d'accord? Tu me donnes quoi en échange? Vous donnerez un bon supplément. Combien? On se parle de combien? Une bonne somme, fais-moi confiance. Ok. Je vais pas vous arnaquer, les gars. Et tu peux pas me mettre plus que une dans l'inventaire? Je t'en mets deux au cas où, je te mets deux balles au cas où. Je le blesse, hein, je fais pas plus, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je veux pas de mort sur la conscience, hein. Ouais, alors ce que tu fais, quand vous allez vous enfuir pour le braquage, une fois que vous vous serez enfui, que vous aurez mis l'argent sécurité, tu lui mets une balle dans la jambe et tu dis Frédéric, il a dit, il t'encule. Ok. Non, viens, Steve, on prend une selfie avant notre premier braquage. T'as raison, John. T'as plus de téléphone, toi. Immortalisons ça, John. T'as raison, John. Allez, montez dans la voiture. Ok, on y va, les gars, let's go. Ok, vas-y, go. Vas-y, go. Ok, mets les mains en l'air, mon pote. À bout tout le fric, regarde. Les mains en l'air. T'as un gun. Mets les mains bien en l'air, on veut les voir. Allez, à bout le fric maintenant, mon frérot. C'est maintenant le fric. Dépêche-toi, mon vieux, dépêche-toi. On
êtes sur un timing ici. Garde 3 minutes avant la police. Braque-le bien. Je suis en train de le braquer. Il est mu ou quoi cet épicier? Alpha bravo, police extérieure, dans l'extérieur. Les gars ils arrivent. On a un otage. Vas-y. Faut se barrer les gars. Remplis. Imagine ils couvrent à l'arrière. Prenez les sacs, c'est bon. Et nous remplir les sacs. Ils vont arriver, ils sont en train d'analyser. Intervention, fuyez, courez les gars. On se casse. Ouais, vas-y, conduis. Personne ne sort, personne ne rentre de cette épicerie, qu'est-ce qui se passe? C'est un braquage, on est armé, on a des otages. Sortir s'il vous plaît en présentant. On a un otage, on est armé. Et on est armé. Qu'est-ce que vous voulez? Prends l'otage. On veut un hélicoptère, un train. On prend ton otage. Vas-y, c'est bon. Et un avion. Vas-y. Rapproche-toi. On a un otage, on va vous montrer l'otage. Bonjour messieurs, on a un otage. Vous êtes qui êtes-vous? Je suis l'otage. Je suis pas du tout avec eux. Reviens à l'intérieur. On a un otage, reculez sinon il tombe. Alpha, continue. Reculez, rangez vos armes sinon on le fume sur le champ. On a plus rien à perdre. Commencez par baisser vos flingues, for God's sake. Alpha, continuez à récupérer les sacs plastiques remplis d'argent. Il a tout pris, il a tout donné. On a tout, on est complet. On va sortir de l'épicerie. On aimerait s'il vous plaît pouvoir sortir de cette épicerie sans qu'il nous arrive quoi que ce soit. Sinon, nous rendrons les coups x2 à cet otage. Ce serait malheureux, messieurs, n'est-ce pas? Et ce qui serait malheureux, c'est que ma matraque finisse au fond de ton trou de balle là. Tu vois ce que je veux te dire? Alors vous allez cesser de faire les cons. Non, c'est nous qui donnons les ordres ici. Sinon, il y a un otage mort qui va être sur tes épaules. Je comprends votre mécontentement, messieurs. Vous avez choisi la voie du bien. Je veux que l'otage m'assure qu'il aille bien physiquement et mentalement. Vous allez bien, monsieur? Ouais, je vais bien. Je suis un otage. Reculez ou je lui fais péter la cervelle, messieurs. Reculez. Messieurs, déjà rangeons les armes. On peut discuter quand même. Ça, c'est une très bonne initiative, mon ami. Une autre bonne initiative, ce serait que vous et vos hommes reculiez par exemple de 6 mètres à peu près. Yeah, 6 mètres, on recule. 6 mètres, reculez, s'il vous plaît. Non, c'est même pas notre voiture. Bon, les mecs, il faut qu'on sorte. On rentre vite dans la caisse et on taille. Les gars, si on fait rien, on est mort. On sort, on prend vite la caisse, on taille, non? L'assaut là, ils vont lancer l'assaut dans 5 minutes. Il faut que tu laisses. Vas-y, ils vont lancer l'assaut, j'ai vraiment peur. Messieurs, dames. L'otage, tu sors. On fait quoi? Ouais, sors. Tu sors et va au volant, et on rentre et on se casse. On va sortir. Bonjour à vous. On va tirer sur l'otage, attention, laissez-nous rentrer dans la voiture. Rentrez à l'intérieur, monsieur. On va tirer sur l'otage. S'il arrive la moindre chose à l'avant entre nous, on tire sur l'otage. Rentrez dessus, rentrez l'otage. On va négocier, monsieur, on peut négocier. S'il vous plaît, laissez-nous 10 minutes de négociation avant de vouloir sortir comme ça. On va vous laisser l'otage. Attendez, j'ai encore l'otage en joue. Faites pas les fous. J'ai encore l'otage en joue. Faites pas les fous. On fait pas les fous. Faites pas les fous. Mais pourquoi il est pas monté l'autre con? Il a les sacs de thunes, frérot. Mais non. Ici, il a les sacs de thunes. On est pourchassés. On est dans la merde là. Ils nous ont lâchés, frérot. Ils vont revenir, j'ai confiance en mes amis. Frérot, je suis désolé. J'ai confiance en mes amis. Ils vont revenir. Mais c'est lui qui a la tête. Mais pourquoi il est pas monté? Putain, mais comment je me retrouve avec toi? Vous avez la même tête, vous avez le même costume. On fait comment? Va chercher. Mais je peux pas retourner là-bas, on va pas retourner sur le lieu. Mais c'est allez. Bon frérot, on fait quoi? Venez tous, je vais partir. Ce que je te propose, c'est de te faire arrêter. Tu vas finir en prison. Et puis voilà. Ou alors, plan 2, ben on habite ici maintenant et on sort plus jamais. God damn, ils peuvent pas revenir là? Putain, mais faut que je les contacte là, c'est pas possible. John, reviens frérot. Reviens me chercher. On revient, on arrive. Pourquoi vous m'avez rentré dedans là? Vas-y, démarre. John, allô? On revient, on arrive. Ok, merci John. Excusez-moi, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. On cherche une supérette. C'est des braqueurs, arrête-les. On cherche une supérette, monsieur. On n'est pas des braqueurs. Mais mec, toute la ville nous en veut ou quoi? Ils arrivent, ils sont en route. Il est place de tes potes là, non? Mais non, ils m'entendent pas, personne m'entend. Mais y'a lui. Écoute-moi bien, toi. Si tu répètes à quiconque ce que tu viens d'entendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Tu m'entends? On te retrouvera. Oui, monsieur. On a le bras long dans le milieu. Ils vont revenir normalement. Normalement, ils vont revenir. On cherche une supérette, vous m'entendez? Ah, mais venez avec moi. Ok, on vous suit. Au secours, je suis un otage. Au secours, mais là, ils vont faire l'assaut là. S'il vous plaît, monsieur la police, aidez-moi. On est escorté par une supérette. Par des flics. Dépêche-toi, ils vont faire l'assaut, je vais crever, dépêche-toi, je t'en supplie. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. On est là pour récupérer le monsieur à l'intérieur. S'il vous plaît, un peu de décence. Messieurs, il nous faut un responsable des négociations. On ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est le monsieur à l'intérieur qui est responsable. Et nous sommes juste les transporteurs. Ok, bah rentrez avec lui, soyez mignons, d'accord? Excusez-nous,
excusez-nous. Ne faites pas de mal à ce putain d'otage, for God's sake. Okay. Ah, vous revoilà. Putain, les gars, mais qu'est-ce que vous avez fait? On retourne dans la voiture tous ensemble, s'il te plaît. Tu gardes l'otage en joue, on y va, c'est bon. Mais vous avez stressé comme des merdes, les gars, c'est incroyable. Messieurs, il serait vraiment fâcheux qu'il arrive quelque chose à cet otage, vous pensez pas? Écoutez-moi, par contre, je vous préviens. Si au prochain coin de rue, vous n'avez pas relâché l'otage, j'envoie tu mets pas de de Los Santos à votre os. Pas de soucis, nous allons le relâcher. Allez. Voilà, l'otage est à vous. Pardon, excusez-moi. toi, t'es dans la merde. Mais attends, on a pas l'otage avec nous là. On a pas l'otage, ouais, il est resté on là-bas. On s'en fout, on le laisse là. T'arrêtes pas. Mais on est full vulnérable s'il y a pas l'otage avec nous. Bah, là... Attends, il faut que j'appelle Frédéric. Frédéric, allô. On a besoin d'aide. Je t'envoie des coordonnées. Help. Putain, on est dans les montagnes, ça capte pas. Ok, j'arrive. Il arrive, les gars. Frédéric va arriver. Je lui envoie nos coordonnées. T'as les sacs d'argent. Non. Mais c'est... Quoi? C'est Charlie qui les a. Vous allez être obligé de faire usage de la force si vous arrêtez pas. Ok, les gars, on va s'arrêter. Arrêtez-vous. Messieurs, on va s'arrêter. Venez, on s'arrête. On discute. On gagne du temps. Go. Arrêtez-vous. On gagne du temps. Ok. Discutons, messieurs. Ce serait bête que l'un de nous ne rentre pas chez lui ce soir. Vous êtes pas d'accord? Ce serait vraiment bête que l'un de nous rentre pas chez lui ce soir. On peut entamer une petite discussion dans un premier temps. Wow, les gars. Qu'est-ce que c'est? Rentrez. Qu'est-ce que c'est? Putain, les mecs, vous déconnez là. Frédéric, on est désolé. Comment il s'appelait ton collègue, Frédéric? Kader, vous l'avez mis une balle? Kader, je lui ai pas mis une balle, mais il s'est fait prendre par les flics. Il s'est fait choper. Mais tu m'as dit de lui mettre une balle et qu'il se fasse Non, il fallait lui mettre une balle parce que si tu lui mets une balle, il a peur, il va pas te poucave. Là, il a relâché, il a pas pris de balle, il va nous poucave. C'est ça tes associés, c'est des mecs qui te poucavent comme ça à la première arrestation? C'est pas un associé, c'est un mec que je vais me débarrasser de lui parce qu'il essaie de piquer ma meuf. J'ai une mauvaise nouvelle à te donner, Frédéric. L'argent du braquage, c'est ton collègue qui l'a. Mais vous êtes les pires braqueurs que j'ai vu de ma vie. Les ah ouais, pires. C'était sûr aussi avec Paul. Après bon, faut prendre de l'expérience hein. C'était la première fois que vous braquez en vrai, vous m'avez menti. On t'a menti. Que moi j'avais jamais fait. Hein. J'avais jamais fait, moi non plus. Mais John il a fait n'importe quoi. Tu libères l'otage, tu rentres dans la voiture, on se barre avec le fric. Vous avez donné le fric à Kader. Oui, mais en fait on devait partir avec Kader, sauf que le chauffeur, aka John, n'a pas attendu qu'il monte dans la voiture. Ah, tu comprends ce que je te dis? C'était pas moi, c'était Akan, le premier chauffeur. C'est ensuite... toi, Akan, qui a démarré sans qu'il monte dans la voiture? Oui, c'est lui. Ensuite, les deux débiles. Excusez-moi du terme. Qui ont les guns? Et pendant tout le braquage, qui se cache derrière alors que vous avez les guns? Mais j'ai pas de balles! Mais je m'en fous, t'aurais pu continuer à braquer et récupérer des sacs! Il avait rempli à fond, il avait juste plus de recettes. On a eu ses recettes de la journée, qu'est-ce que tu crois? On a tout pris, gros. C'est juste que c'est dans les mains du soldat qui est pas avec nous. Qui est pas avec nous parce que vous l'avez pas laissé monter dans la caisse, les gars. C'est quand même pas compliqué. C'est bon quoi, on a un plan à faire, on le rate. Mais on va s'expliquer. Il y avait une chose à faire, c'est pas compliqué. C'est monter dans cette voiture et démarrer. Vous avez démarré avant qu'il monte dans la voiture. Oh, les gars, pas de violence, j'enlevais vos tenues d'ailleurs. C'est moi qui ai la thune, tu m'entends? Non, j'ai pas la thune. J'ai 20 000 dollars là dans mon sac. J'ai 20 000 dollars dans mon sac. Dis-moi que c'est vrai, John. Dis la vérité, dis que t'as vraiment. Dis la vérité, John. J'ai 20 000 dollars dans mon sac. Ils viennent d'où? Mais c'est l'épicerie! Tu crois qu'ils viennent d'où? Du Saint-Esprit? Bon, ce qu'on fait, je vous pose au parking, je vous fais le débrief là-bas! Je vous passe une voiture, vous allez au concert! On se pète un jour! Ok, Frédéric, merci! Eh Fred, merci pour tout! Merci Fred, ce premier braquage est un succès pour nous! Et pas très discret là, Frédéric! T'inquiète pas, je connais la ville comme ma poche! C'est le showcase dans une minute! De Wesley! What? Mais attends, mais le temps est passé tellement vite! Eh, je vais aller garer le véhicule tout seul! Je vous laisse ici, je vais vous sortir une voiture! Ok, merci Frédéric! C'est qui ça? On se dépêche, les mains en l'air, on se dépêche. Bonjour. Pardon, j'ai un problème au ligament, je m'accroupis. Je m'accroupis, regardez, je range ça, je m'accroupis, y'a pas de soucis, je suis désolé. Pas de soucis, regardez, voilà, là je suis parfaitement inoffensif, je suis très inoffensif. Courez vite, partez, fuyez. Cassez-vous, toi aussi sur ta voiture, roule, je fais exploser ta voiture, roule. C'est ce bordel. Il se passe quoi?